un peu de notre démarche que de venir apporter notre soutien et notre solidarité pour les enfants qui ont eu cette tragédie en Turquie, pour le séisme de Turquie et de Syrie. Donc ce soir, c'est un concert qu'on a voulu partager avec les Nîmois et les autres, Chico et les Gypsies, avec mon ami Levon Minassian qui est arménien. Ça veut dire que c'est tout un symbole qu'il soit là ce soir, parce que ça montre que la musique est une vraie passerelle entre l'Arménie et la Turquie. Et notre ami ce soir est l'ambassadeur musical pour les enfants. Ces enfants qui n'ont pas demandé de naître là où ils sont nés, qui n'ont rien choisi. Et parce que le respect de la dignité humaine va aussi sur le respect qui est dû au droit à la vie d'un enfant, bien nous sommes là. Et le fait de rassembler autour de cette valeur, qui est le droit à la vie d'un enfant, et le fait de voir que vous avez tous répondu présent, si nombreux au point qu'il a fallu refuser certains qui se sont mobilisés pour pouvoir participer aujourd'hui à ce gala, eh bien oui, ça me met en joie. Oui, je veux fêter la solidarité. Oui, je veux fêter aujourd'hui avec chacun d'entre vous cette capacité que vous avez tous eue. Vous êtes tous venus, c'est-à-dire que vous avez, en quelque sorte, fait le choix de vous déposséder de vos propres affects dans un intérêt supérieur, celui de vouloir aider un enfant en difficulté, un enfant qui est en souffrance. Et vous voulez que je vous dise, vous avez raison. Vous avez raison parce qu'il y a une vérité humaine. Il y a une vérité humaine qui est extraordinaire chez l'homme, au sens humanité. C'est que la compassion, que je qualifierais de variante de l'amour, eh bien, elle est à l'infini. Aimez, 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 et vous verrez. Vous n'allez jamais vous appauvrir en aimant son prochain. Et vous ne vous appauvrirez pas non plus en ayant de la compassion, à la fois pour le SDF qui est dans la rue et à la fois pour cet enfant qui crie souffrance.